Bonjour tout le monde et bienvenue sur le jeu musical. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle d'un sujet d'actualité qui alarme les festivals en ce moment. Il s'agit des piqûres faites de façon sauvage. Comme vous le savez, je vais beaucoup à un festival l'été depuis quelques années et je trouve ça alarmant. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que il faut informer les gens là-dessus. Il y a trop peu de gens qui en parlent. Les festivals ont subi la crise du Covid pendant 2 ans avec les confinements à répétition, les restrictions, etc. Et s'il y a bien un réel danger qui plane sur eux en ce moment, ce sont les piqûres faites à l'état sauvage. Ces piqûres contiennent un liquide qui peut très facilement droguer le festivalier sans qu'il s'en rende compte sur le moment. Après, bien sûr, la personne piqué risque de ressentir des nausées ou d'avoir un peu mal à la tête, hein, d'avoir tous les symptômes qui fait qu'elle a été droguée. Ces piqûres sont le nouveau fléau des lieux festifs puisqu'il y en a aussi bien dans les bars que dans les boîtes que dans les festivals. Si le phénomène avait commencé début juin, il y a eu quelques cas lors de la fête de la musique dans des bars, ce qui est déjà assez alarmant. Et étant donné que après la fête de la musique, il y a les festivals. Et très récemment, il y a eu le Hellfest en Loire-Atlantique et là aussi, selon Europe 1, il y a eu quelques cas de piqués, donc principalement des hommes. Donc voilà, ça reste assez... Enfin, c'est des hommes, donc ça sous-entend qu'ils n'étaient pas forcément en position de faiblesse. Mais ça reste quand même alarmant puisque ce sont quand même des cas qui ont ressenti des choses assez... C'est bizarre, enfin, en fait, qui ont eu le sentiment d'avoir été drogués pendant qu'ils font leur festival. Et ça fait une inquiétude de plus concernant le reste de l'été. Parce que, en fait, je trouve ça alarmant. Un festival, tu y vas pour te sentir en sécurité, pour être safe, quoi, pour vraiment être protégé. Bon, bien sûr, parfois il arrive des trucs assez chelous, mais généralement tu fais attention à toi parce que c'est jamais ce qui peut arriver. Donc je trouve sécurité pour être safe, quoi, pour vraiment être protégé. Bon, bien sûr, Donc je trouve ça assez alarmant qu'il y ait encore cette nouvelle rumeur de la piqûre qui menace justement les festivals. Pour l'instant, il y a quelques cas, mais il y a encore trop peu de preuves. En fait, c'est pas encore assez concret pour justement qu'il y ait de grosses prises de risque. De toute façon, je pense que les festivals économiquement ont assez souffert pendant 2 ans à cause du Covid. Donc la piqûre, ça reste une rumeur, mais il faut quand même prendre des précautions. Donc, et pour au mieux protéger les festivaliers et pour qu'il ne leur arrive rien. Sinon après, bien sûr, ça fait une mauvaise pub pour le festival. Alors si jamais vous allez en festival cet été, faites attention à vous, ne vous laissez pas piquer et n'ayez pas peur de demander de l'aide parce qu'il y a du personnel qui est formé pour ça, qui est là pour répondre à vos questions, à vos besoins et vous orienter vers un service qui sera peut-être plus compétent pour répondre à ça. N'ayez pas peur de demander de l'aide, surtout faites attention à vous et allez en festival, kiffez, profitez de la vie, c'est cool. Donc voilà, mais sur ce... Mais vraiment, faites attention à vous. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !